Ok, bonjour, je suis Christelle, je suis kinésithérapeute et formatrice chez Indiba Active. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler des entorses et de voir comment Indiba Active peut améliorer son traitement. Une entorse concerne plusieurs articulations, mais principalement la cheville, avec plus de 6000 cas par jour en France. Il faut savoir que sur un faux mouvement, un traumatisme, un mauvais pas, vous pouvez vous tordre la cheville et avoir une lésion au niveau de ce fameux ligament latéral externe qui est composé de trois faisceaux et qui va au quotidien vous embêter. Le traumatisme de la cheville en lésion interne se situe donc au niveau des faisceaux. Il y a différents grades d'entorse en fonction de la gravité de la lésion, c'est-à-dire un étirement, une rupture partielle ou une rupture totale. Notre traitement va bien sûr être différent en fonction de chaque stade de l'entorse. Par rapport à l'entorse de grade 1, l'entorse de grade 1, c'est le faux mouvement, vous perdez l'équilibre, la cheville se tord, on a une sursollicitation du ligament qui se retrouve étiré, un début de douleur, mais votre activité ne s'arrête pas. Vous pouvez continuer à marcher malgré une petite boiterie et une œdème et une inflammation légère qui peuvent arriver. La marche est toujours possible. Au niveau du grade 2, on va avoir une rupture partielle des ligaments, d'un ou deux des faisceaux de ce ligament latéral externe. La douleur va être modérée mais plus intense. Elle peut vous stopper dans votre élan, mais vous pouvez encore continuer en boitant quand même de manière beaucoup plus prononcée. L'œdème sur la zone touchée devrait arriver dans les heures qui viennent. Une limitation partielle de la fonction et du mouvement est observée et un hématome plus ou moins important est présent. L'hématome peut déborder de la lésion et saigner un petit peu plus à distance. L'entorse de grade 3 mettra, elle, plus de temps à se rétablir parce que nous avons une déchirure avec perte de l'intégrité du ligament. Notre ligament est en rupture et donc il va falloir un temps de cicatrisation supplémentaire afin de le consolider. La douleur est immédiate et très intense. Elle vous fait arrêter votre fonction. Il est impossible de continuer à travailler. On a une instabilité sévère de la cheville, des œdèmes et des ecchymoses, une perte de fonction et une douleur à la pression. Ce type d'entorse nécessitera une prise en charge immédiate comme les autres, mais demandera un peu plus de temps pour retrouver la fonction complète et la réintégration sur le plan sportif par exemple ou sur l'activité professionnelle pour vous et moi. Alors qu'est-ce qu'Indiba? Pourquoi Indiba va agir sur cette entorse et qu'est-ce que ça nous apporte? Indiba est une thérapie de radiofréquence qui est brevetée, qui est unique et qui nous aide à améliorer les résultats par l'action cellulaire que le courant d'Indiba nous procure. Ce courant qui a une fréquence de 448 kHz nous aide à augmenter les échanges entre les cellules, à rétablir un équilibre et à régénérer l'état tissulaire de manière plus rapide. Selon nos désirs, nous pouvons avoir une action sans sensation de chaleur ou avec une sensation de chaleur un peu plus importante en fonction de notre volonté et de nos objectifs. Notre patient pourra être traité du premier jour jusqu'au dernier. Nous allons faire varier le traitement, varier les capacités de travail et de fonctionnement avec Indiba en jouant sur la puissance de l'appareil en fonction de nos objectifs. En travail, en biostimulation cellulaire, vous verrez que nous sommes dans une phase aiguë. En travail, en microcirculation et en vascularisation, nous serons dans une phase avancée de traitement. Au niveau du traitement, nous allons travailler avec deux types d'électrodes, une capacitive et une résistive, qui vont nous permettre deux modes de fonctionnement, de répartition du courant différent. La capacitive, qui est recouverte d'un isolant, va nous permettre de travailler les tissus mous, d'être en phase préparatoire pour obtenir un résultat au niveau local, au niveau superficiel. Puis, nous utiliserons une électrode résistive qui est en inox, qui travaille en fonction d'un trajet en profondeur et qui nous permettra d'atteindre les structures internes de l'articulation, de la capsule et des ligaments.
Alors, Irénée, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Pour passer le courant, nous avons besoin d'une deuxième électrode. Il nous faut une électrode neutre, qui est la plaque de retour, que nous installerons en fonction de nos objectifs et de travail que nous voulons faire. L'électrode, là, en l'occurrence, va être sous le pied. Mon patient arrive, il est en phase aiguë. Il souffre, il a mal, il a de l'œdème, il a une ecchymose. J'ai besoin de calmer ses premiers signes pour lui donner une possibilité de marche avec moindre douleur et de récupération plus rapide. Au niveau de mon travail, je vais d'abord travailler en capacitif pour préparer les tissus. J'ai besoin de ma crème de contact. Et je vais commencer à préparer la musculature du mollet qui va avoir une incidence au niveau de ma cheville. Il est important de préparer cette phase déjà pour détendre notre patient et nous permettre d'accéder à la zone inflammatoire sans le prendre par surprise. Il faut que toute la séance soit agréable et indolore. Le patient n'a aucune sensation de chaleur. Quand j'arrive au niveau de la cheville, je prends une électrode plus adaptée afin de pouvoir contourner les reliefs osseux et me faire commencer à agir sur l'inflammation. Au niveau du ligament latéral externe, mon inflammation sera en externe, de chaque côté de la malléole, et il est important de travailler toute cette zone. Que je sois en stade 1, 2 ou 3, si mon patient arrive avec une forte douleur et une inflammation, je travaille comme ceci. Le but étant de réduire la douleur, de réduire l'inflammation et de décontracter les muscles. Ma seconde phase de travail sera en résistif, où je vais pouvoir agir aussi sur mon inflammation. Et essayer de drainer l'œdème tout en me servant de mon courant qui augmente l'échange cellulaire, le métabolisme cellulaire, c'est-à-dire le fonctionnement de mes cellules, et qui va réduire l'inflammation en profondeur. Voilà, pour une phase très aiguë, je vais m'arrêter à ce niveau d'application. Mon patient va de mieux en mieux. J'ai besoin de faire évoluer les séances et on est en phase subaiguë. On va mettre l'électrode dans ton dos, s'il te plaît. Parfait. En phase subaiguë, j'aurai ma préparation habituelle, mais au niveau de l'intensité, je vais pouvoir mettre un petit peu plus fort pour aller travailler mes tissus pour amener une oxygénation et une vascularisation plus importantes. On va travailler la mobilité de la cheville. D'abord en flexion-extension pour ne pas heurter le patient. Puis en décoaptation. Vous allez retrouver toutes les techniques manuelles que vous mettez en place habituellement. Le fait d'avoir augmenté l'intensité de mon courant va me permettre d'avoir un meilleur drainage veineux et lymphatique et d'augmenter la microcirculation et l'oxygénation de mon tissu. Bien sûr, je vais travailler toutes mes articulations, travailler mon péroné. Vous travaillez comme vous le feriez en temps normal. Au niveau de cette phase 2, on va avoir une amélioration du tissu ligamentaire et une fonctionnalité accrue. Je peux ensuite mettre mon patient en position de fonction, le faire travailler l'équilibre via Indiba qui va aller augmenter cette génération tissulaire et cette régulation de l'ensemble de mes tissus. Au niveau d'une phase encore plus avancée, afin de m'assurer d'avoir la meilleure qualité de cicatrisation possible, je vais aller en vascularisation plus haute, plus forte, en montant mon intensité pour permettre
à mon ligament, d'avoir une réorganisation au niveau de ses fibres plus parfaite et de meilleure qualité. Une meilleure cicatrisation égale moins de soucis pour mon patient dans sa future reprise professionnelle ou sportive. Au niveau de l'oxygénation, du débit sanguin et du métabolisme, tous mes paramètres vont être améliorés de manière très importante. Au niveau des contre-indications de cette méthode, nous sommes limités par la grossesse, le pacemaker, les infections, la thrombophlébite, les plaies ouvertes et l'insensibilité à la peau. Bien sûr, tout matériel d'ostéosynthèse ou de prothèse ne pose aucun problème pour ce type de traitement. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à venir voir nos vidéos sur YouTube Indiba Active et je vous retrouve bientôt. Au revoir.